Mem si nou ta publiye liv sa a ti bironp, tout moun ki gen ne lan figyur, e ki konen ki sa iti vo, ap vin chache ti bironp, pou kapab li lan bonti mamit. Poje a se joen ki jan, nou kapab ran on omaj a Cecil Fatiman, ki se don kon pretres vodo, ki te patisipe nan serebouni Boa Kaiman, En façon pour nous capables de dire que ce n'est pas, pas garçon seulement qui est gourmand, qui banon indépendance, mais mesdames et tout. Et que malheureusement, l'histoire officielle n'a pas insisté assez sur figure féminine ça, Et donc, euh, le projet, c'est mettre à l'honneur les dans mesdames et tout. Et pour ce faire, nous décider faire un projet de, à la fois, de chercher, recueilli recueillir les euh, chants anciens. Toute une tradition vaudou qui est en train de disparaître mine de rien parce que il y a aujourd'hui une sorte de, de, de contre-culture religieuse à bas bruit qui se fait et qui a tendance à refouler le vaudou au rang de simple attirail, je dirais, folklorique. Alors que il y a un inconscient collectif, il y a un message qui se transmet et qui est pour nous d'une importance sacrée. Donc, l'idée est, dans un premier temps, de recueillir euh, les différents chants vaudou dans les différents lakous. Nous connaissons que l'anor a un répertoire spécifique. Nous connaissons à souvenance, à Donc dans toute la Thibonite, il des rythmes à part, mais aussi des paroles qui spécifiques. Nous connaissons que des chants dans Nip, qu'on pas joindre dans la grandance, ainsi de suite. Donc, l'APC fait une sorte de cartographie sonore. Hein? Euh, à travers textes et chants de notre patrimoine voodoo, patrimoine religieux. Et dans un second temps, NAP mettait également à l'honneur des poètes et des poétesses dans le cadre de ce que nous appelons le chant nouveau. Dans la mesure où il s'agit de transmettre un héritage que nous considérons comme sacré, un héritage sacré s'adresse à toute personne qui se sent concernée, à toute personne qui se sent initiée en quelque sorte. Et je pense que toute personne enfin, soucieuse de trouver du sens à la vie, et soucieuse surtout de transmettre un héritage aussi, euh, aussi prestigieux, doit se sentir concernée. Ah, il faut bien s'entendre, dans un premier temps, il s'agit de recueillir des, des chants euh, euh, répertoriés euh, comme étant représentatifs d'une région. Donc toute personne, mais je dis bien toute personne euh, susceptible de nous aider dans ce sens euh, euh, sera bien entendu euh, remerciée. Hein C'est-à-dire que le chant sera publié et la personne qui l'aura trouvé sera bien entendu, euh, euh, comment dire... Euh, euh, apparaîtra en tant que tel. donc ce sera la contribution d'un tel pour dire que ce chant c'est un chant. par exemple je pourrais dire que euh, guy m'a proposé un chant traditionnel vaudou qui nous vient de la région de jacmel et il en est euh, en quelque sorte euh, le, le, le passeur. c'est une façon de dire que euh, nous avons un devoir solennel de témoignage de ce que nous avons reçu. c'est un simple devoir de mémoire. Euh, lacan dit que la culture c'est la mémoire de l'intelligence des autres. Il s'agit pour nous justement de témoigner de l'intelligence d'une culture que nous avons reçue en héritage. J ai dit là, c'est on paquet mesdames que Histoire officielle Révolution a passé en papier. Donc euh, là, nous commençons avec euh, Cécile Fatima, parce que son figure euh, héroïque et son figure, on me dire, l'ouverturienne, parce que les 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 il inspirer tout ton geste jusqu'à vous hein c'est justement son façon de dire est-ce que y a une femme qui aujourd'hui a une femme dans forme pour peut dire que yo représentative de ça Cécile Fatima défaite réponse pour nous c'est que oui nous tout simplement voulons montrer que là Ragnio manifeste c'est pas Cécile Fatima seulement gain Abgelotte il a défilé la folle et ga de Beller et pour yo chaque n'a essayé mettez en, en, en bandition, ça me capable hein, réponse euh, correcte, deux générations ça, par rapport à l'héritage de Thébanois. Ce n'est pas forcément ça, un poème vaudou pour chaque. Chaque monde a mérité, coûte au champal. L'autre font travail qui gagne important, ça, ou bien entendu, un souci de distribution, mais le véritable souci, c'est un souci de recueil. C'est un souci de collecte. C'est un souci de témoignage. Et je crois que même si nous avons publié le livre, ça à Tiburon. Tout le monde qui gagne vu en figure et qui connaît qui ça à Itivo, a chercher le Tiburon pour être capable de la Mais bien entendu, nous vivons une époque moderne. La PC est publié aussi bien à Paris, à Port-au-Prince, qu'au Québec, qui s'est côté au palais français. Mais comme le livre, là n'a publié tout en créole. Parce que Fom dit que nous avons fait un travail bilingue. Texte traditionnel sans que créole sans que l'apchanté. San on a traduit eu, pour que les gens soit capable de comprendre tout. Parce que c'est ça. On travaille de transmission, c'est ça un travail de témoignage. Et puis, les poèmes du chant nouveau, ils a en créole, ils a en français, nous n'avons pas de problème. C'est haïtien.